les amis et bienvenue dans mon atelier. Alors dans cette vidéo, c'est un projet assez spécial que je vous présente. En plus d'être un projet perso, c'est aussi un défi entre youtubeurs. Et ouais, que ça! Alors ce défi, il consiste en quoi? On a 2 heures maximum pour réaliser un objet décoratif. Alors 2 heures, c'est vraiment très 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 court. Alors au total, on est 12 participants. Les liens des chaînes des participants sont dans la description de la vidéo. Alors je compte bien évidemment sur vous pour aller leur mettre un gros pouce bleu. Prenez des chips et un coca, installez-vous confortablement dans votre canapé et profitez un maximum. Projet perso numéro 9, c'est parti! Alors pour ce projet, il me faudra bien évidemment du bois et pour ça, j'utilise du WNG. À la base, c'était une lame de parquet que j'ai déjà utilisé pour des projets, d'où les petits trous que vous voyez là. Alors, étape numéro 1, mise à épaisseur. Maintenant que le rabotage est terminé, pour plus de compréhension, je vais vous faire un dessin pour vous montrer à quoi va ressembler le présentoir à lunettes. Bon alors je sais, je dessine super bien. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le socle ici. Première partie. Ensuite, il y aura un montant ici. Et alors, 3 petites traverses qui vont tenir les lunettes. Bah je pense. Enfin j'espère. Bon allez, c'est parti. J'ai déjà pris les dimensions. Bah j'ai plus qu'à débiter. Voilà, maintenant que j'ai débité toutes mes pièces, j'ai le socle, j'ai le montant et mes 3 traverses. Je vais continuer les étapes en faisant un chanfrein sur le socle et en entaillant les traverses sur le montant. Après avoir chanfreiné le socle, je commence à tracer les traverses sur le montant et j'en profite d'entailler une traverse à l'emplacement du trou de la vis. Avant de monter l'ensemble, je casse les arêtes des traverses avec une fraise à quart de rond. Après avoir assemblé les traverses sur le montant, je repère l'emplacement des entailles qui vont servir à retenir le bord des lunettes. Allez, on arrive à la fin. Il me reste vraiment plus beaucoup de temps, une demi-heure à peu près, donc pour tout finir. Mais je pense que ça va le faire. Bon alors, je vais faire maintenant des trous de 25 mm de diamètre pour pouvoir encastrer la lunette. Après avoir réalisé un quart de rond sur le montant, poncer l'ensemble des pièces et passer un coup de vernis, je passe à l'assemblage. Et pour cette étape, je visse le socle sur le montant et cloue les 3 traverses. Voilà, alors le projet est terminé. Je suis content du résultat. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas de partager, liker et de commenter la vidéo. Et surtout, allez voir les projets des autres youtubeurs. Ciao! Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et mets la cloche. Et n'oublie pas d'aller dans la description de la vidéo pour aller voir les autres participants. À la prochaine sur Woodvlog.